départ, vraiment ce que je veux, c'est que la demi, je suis bien rentré, poser les mains. La clé des deux façons, c'est la plus plaisante pour toi, c'est la moins agressive, c'est ce que j'aime le moins pour shooter. D'accord ? Donc tu lui as bien attention. Donc ici, enregistre, tu vas shooter, ok, après tu me diras si celle-ci, maintenant, c'est plus agréable. La deuxième, c'est quoi? C'est plus quoi? Agréable ou pas agréable? D'accord. Et pourtant, tu chutes. Donc, cette version-là, formidable, mais agressive. Efficace, mais agressive. Après, c'est votre tempérament. Moi, je suis comme lui. Vous les jambes. Ah, ça va. On aime bien quand c'est très léger, très souple, c'est aussi fort. Regardez, voir. J'ai dépassé le seuil. J'étais trop haut pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, moi, j'aurais dû relâcher le jeu. J'avais une expérience. Tu as quand même voulu garder 410. Ça va pas. Donc, il faut que vous trouviez le seuil de tolérance à chaque fois de chaque partenaire. Il y en a tous différents. C'est ça qui est bien avec nous. Il n'y a pas de poids, de taille, de sexe. Je peux prendre petit, prendre moyen. Donc, il faut que voilà. Donc, avec lui, il faut que je trouve sa hauteur qui me convient. Alors, comment je le ressens? Lui, par la coupe, il y a un choc, il n'est pas content. Et puis, il faut que ce soit vraiment bien ondulé, qu'il n'y ait pas de choc. Donc là, je vais essayer de faire en sorte, voilà. Et tu sens que le jeu, il n'y a pas de tension, il ne se plie pas. C'est pas. Vous voyez un peu, des fois, lorsque vous faites un travail avec les armes, vous sentez des tensions dans le jeu. Donc l'énergie, en fait, elle reste dans le jeu. Ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'elle ne sorte pas dans le jeu. Donc c'est léger. Et ce que je fais, c'est que dans mon esprit, à la fin, ici, au lieu de forcer, moi je pense juste déposer le jeu. 1 et 2. Et puis, je fais comme lui, léger, sans faire de bruit. Faites en sorte de prolonger le plus possible dans cette direction que lui vous a donnée. Maintenant, on le fait sans la témoin. D'abord, c'est celle-ci que vous levez. Et en plus, fort, sois solide et tu m'empêches de lever le jour. Tu m'empêches. Donc là, c'est là où il est le plus fort en plus. Vas-y, tu m'empêches de lever. Tu m'empêches. C'est là où il est le moins fort. C'est physique qui va être un peu mal, c'est pas bien. Donc moi c'est pour ça que j'attaque d'abord cette partie-là. Encore une fois. Super. Intérieur. Et on part sur l'extérieur. Je vais lui enlever le pied avant, donc il fait gaffe. Thank you.
Allez-y. Ce que je veux faire comprendre, la seule façon ici de contrer le chirouanalé, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a fait juste auparavant. Toi, tu attends aussi que je te fais la contreprise. Mais si tu attends, il n'y a plus de direction. Donc moi, je sais pas, c'est compliqué. On a besoin l'un de l'autre. Donc ce que je fais dans mon jeu, quand je travaille sur les choses, je demande à qu'on le fasse pas avec chez voisin, donc le retournement, systématiquement. Parce que sinon, vous savez qu'on va faire la contreprise, donc vous ne vous investissez pas. Mais j'ai besoin de votre investissement pour moi faire la suite. Tu vois le truc ? Je vois pouvoir travailler. Il ne fait pas un peu lui. Là, elle n'a pas penché. Ah oui. Mais d'accord. Je donne, genre, vraiment, j'essaie d'être le plus généreux possible pour lui permettre de pouvoir, voilà, sentir un bon moment. C'est ça qui fait qu'après, oui, il le fait super bien. Donc, il y a une façon de donner. Je ne sais pas comment, mais déjà positif. Presque vouloir qu'il le fasse. Ne pas commencer à le faire. Quand il commencera ensuite à avoir des arguments, je vais réduire les ouvertures. Mais dès le départ, non. Soyez positif. Toujours. C'est pas bon. Donc pour ça, il faut que vous soyez fin. Sensible. D'ailleurs, on parlait avec Xavier, c'est bien d'aller vite et puissant. Mais si vous n'êtes pas sensible et qu'à chaque fois vous n'arrivez pas à comprendre qu'en face, vous avez un parcours qui est différent de vous, plus âgé, moins âgé, plus souple, moins souple, ben non, il faut que vous arriviez à amener le partenaire. À chaque fois, c'est différent. C'est pour ça qu'on enlève le dos, on dit qu'il y a l'harmonie. Je n'ai pas inventé. Comme vous, et sur le plan, en fait, lorsque vous parlez, ça vous savez faire. Ceux qui ont des enfants, lorsque vous parlez à vos enfants ou à vos parents ou grands-parents, vous leur dites la même chose et vous n'employez pas les mêmes mots et l'intonation. Là, c'est pareil, mais c'est avec le corps. Arriver à ressentir que c'est pas pareil, on fait la même technique, mais c'est différent.